j'espère que tu... Chuchubachu, aïe 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 aïe. Tu trouves à Dieu. Toi, un grand musulman comme ça, là, toi, tu n'as pas gêné. Non. Tu as coupé ton carême, même, je comprends pas. Non. J'ai dit, oh, les gens, là, même, sont comment. Tu sais, pourquoi, parce que. En fait, c'est pour la rupture de ce soir. Ce mois de carême que tout le monde cherche bénédiction comme cela, là. Le mois de carême que tout le monde fait tout pour être purifié, pour te repentir. Voilà. Toi, tu mets carême, tu viens te cacher ici pour couper ton carême. Pas normal. Tu connais les bénédictions du mois de carême? Tu sais ce que ça fait quand tu jeûnes? Ah, est-ce que ça là c'est bien? Ah, moi je ne sais pas. Tu vas aller en enfer. Yeah! Je suis père. Tu vas aller en enfer, tu vas aller dire quoi à Dieu? Yeah! Tu as mis ton carême et puis tu as coupé. Mon gars. Regarde comment le feu la brûle. Tu vois chaleur, c'est là, la chaleur qui a fait que toi tu t'es caché pour venir manger là. Imagine le feu qui est en enfer là. Eh alors. Imagine le feu même qui est en train de brûler là-bas même. Tu vas aller dire quoi à Dieu? Hein? Jusqu'à mois de carême comme ça, on a enchaîné ça pas même. Jusqu'à il peut rien par là. C'est pour que vous-même vous puissiez rentrer dans votre bénédiction. Mais ça là même, je comprends pas. Mois de carême comme cela là, vous cherchez femme, vous mangez, vous buvez l'alcool. Ah non, c'est pas vrai. Oh, il faut arrêter. Quand moi je vois les choses comme ça là, ça me ça. Regardez ce qui va se passer ici. J'espère que tu. Yeah! Hey, le monde part en couille. Voilà. J'ai du mal à imaginer tout ce que j'ai dit. C'est tous.